On se retrouve avec une nouvelle vidéo. Alors vous le voyez, pleine nature sur la rivière. Ça va être une vidéo un peu particulière parce que ça va pas me demander beaucoup d'efforts, mais ça va me donner beaucoup de plaisir. C'est simplement un week-end bivouac dans la forêt et puis activités diverses. Alors là vous le voyez, c'est le canoë. Je remercie Madame Goupil qui est en train de filmer. Et puis je vais vous emmener avec moi, je vais filmer un maximum. Que vous puissiez profiter de cette balade, profiter de ce bivouac et profiter de ces différentes activités dans le Lot. Alors là, on est dans un coin qui s'appelle la vallée du Célé, c'est bien ça, chérie ? Oui. Voilà, la vallée du Célé. Et en fait, c'est un coin qui n'est pas loin de chez moi, mais que je découvre. Donc, je vais découvrir avec vous, vous allez découvrir avec moi. Profitez. Ça va être, je pense, une vidéo un petit peu longue. Donc, prenez à boire, prenez à manger et profitez. Ça va être assez contemplatif, je ne vous le cache pas. Il y aura des moments de tranquillité, il y aura des moments de papotage, il y aura des moments de bricolage aussi. Donc voilà, il ne vous reste plus qu'à profiter, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne vidéo. A tout de suite. Alors, comme je vous disais, c'est une vidéo qui va être très contemplative. Alors là, en l'occurrence, c'est pas le cas parce que mon chien vient de sauter à l'eau pour essayer de choper un canard. Mais ça va être quand même très contemplatif, je vous disais. Et si le contemplatif vous emmerde, eh ben... Tant pis. Pour vous, exactement. Tirez-vous, d'ailleurs. Non, mais voilà, regardez. Alors là, chérie, tu vas montrer ce qu'on a en face de nous. Je vais vous expliquer et vous allez comprendre... pourquoi je veux que ça soit une vidéo contemplative. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Allez, c'est parti, on va aller voir ça. Voilà. Alors là, on va faire le premier arrêt pour manger un petit peu. On s'est trouvé un coin super. Regardez ça, je suis envahi de papillons. Incroyable, il y a des papillons partout. Ça s'appelle comment ces papillons déjà? Les pies... Je sais plus. Bon, les papillons quoi. Il y en a partout, c'est incroyable, on se croirait dans un film Disney quoi. Donc là on va se poser un petit peu à l'ombre. Il fait super chaud, il fait genre 35-36 degrés peut-être. Donc on va se boire un coup de rouge, forcément. Et on va profiter un peu.
J'espère que ça vous plaît jusqu'à maintenant, mais croyez-moi, c'est pas fini. Alors, tout à l'heure, je vous parlais de la pyrale des buis, ce papillon que vous voyez un petit peu partout. Et je vais en profiter, en fait, pour vous présenter David, de la chaîne Ice Focus. Alors, je mettrai le lien... Attends, j'ai pété la gueule. Ah, tout le monde attend le moment où je vais faillir, bah, c'est là. Non, mais... oui, mais... Regardez-moi ça, si c'est beau. Oui, donc, alors, je vous présente donc David, de la chaîne Ice Focus. Alors, je mettrai donc le lien. David, c'est lui qui a fait mon générique, le super générique de ma chaîne. Voilà. Pouce en l'air, si vous l'aimez. Eh ben, exactement. Et pouce en l'air pour lui aussi, surtout. Et alors David va nous parler un petit peu de la pyrale des buis, parce que c'est tout mignon comme ça, c'est féerique, comme je le disais, mais ça fait des dégâts astronomiques. Et alors je vais te laisser parler, David. C'est surtout qu'en fait, à la base, la pyrale des buis défonçait tous les buis, sauf qu'il n'y en a plus beaucoup. Et maintenant, dans le Lot, ça s'attaque aux chênes. Et beaucoup de grands arbres. Et en fait, ils défoncent, on peut le voir là, ils défoncent littéralement les feuilles, donc ce qui empêche la photosynthèse de l'arbre. Et petit à petit, ils font des ravages monstrueux parce qu'ils ont très peu, voire quasiment pas de prédateurs en fait. Et donc c'est une espèce qui devient très invasive. Et on en voit, regardez, on en voit vraiment partout. C'est des petits papillons blancs et gris. Voilà. Donc c'est voilà, c'est voilà. Pour ça, il y en a un peu partout. Et puis là on s'est fait attaquer. Attends, recule, je vais me péter la gueule. La caméraman a failli se gonfler aussi. Voilà, on s'est fait attaquer par les pyrales, je sais pas. Alors t'en as tué quelques-uns, alors je sais pas si c'est des amis en colère. J'ai dû les provoquer sans vouloir. Voilà, mais bon après, voilà, bon, on va faire avec. Hein. C'est pas de la violence gratuite, hein. Exactement. Tu mets ton t-shirt, tu en as trois dessous. La légitime défense. Voilà, exactement. La légitime défense. Exactement. Bon, écoutez, on vous laisse là et puis on continue la balade. Allez, un chien rescapé. Un chien rescapé, c'est pas la première fois de la journée. Alors si comme moi, vous avez tendance à aimer faire du canoë ou du kayak avec votre chien, c'est une très bonne chose, les chiens adorent ça. Mais en fait, attention, quand même petite spécificité, je vous conseille quand même de munir votre chien comme moi d'un harnais, comme ça. Parce qu'en fait, il va avoir tendance, j'ai ma fille qui passe juste derrière, il va avoir tendance le chien à vouloir sauter dans l'eau constamment, d'accord ? Et forcément, ça va lui demander une force physique importante pour remonter en fait dans le canoë. Donc, il va falloir le tirer par le harnais. Surtout qu'il peut fatiguer rapidement en fait quand il nage. Alors moi, c'est un boarder, c'est pas des nageurs nés quand même. Ce que vous pouvez faire, et ça existe, c'est de trouver un harnais pour chien qui fait gilet sauvetage, un peu comme ça, dans cette matière. Et en fait, ça va rendre la pratique beaucoup plus facile pour votre chien et aussi beaucoup plus facile pour vous parce que vous pourrez le remonter un peu plus facilement. Mais voilà, faites du canoë avec votre chien parce que c'est vraiment trop sympa de le voir sauter, poursuivre les canards. C'est Ice Focus qui l'a trouvé, c'est moi qui l'ai attrapé. Mais effectivement, le trophée revient à Ice Focus. Hein. Voilà. Alors, quand vous prenez des serpents comme ça, quel que ce soit le serpent,
Prenez-les bien près de la tête parce que voilà, là elle peut pas se tourner, elle peut pas me mordre. Je pense que c'est une couleuvre, mais j'y connais pas grand chose, vous me direz. Mais je pense effectivement que c'est une couleuvre parce que les couleurs, tout ça. La tête, ouais, voilà. Puis les vipères sont plus noires et puis les vipères vont pas dans l'eau, je crois pas. Hein. Mais en tout cas, c'est pas désagréable. Arrête de la faire bouger. Arrête de la faire bouger, t'es mignonne. C'est elle qui bouge toute seule. Hein. Elle est pas heureuse. Hein. Oh, regarde! Ah oui. Ça, c'est la nature, vous voyez, regardez ça. Incroyable. Incroyable. C'est fou. Voilà, alors, ici, on est dans un lieu assez particulier. Alors regardez, on va faire un petit tour d'horizon. Regardez ça, hop, voilà. Vous voyez ça? Voilà, on est dans un coin magnifique. On est dans un coin magnifique. Alors on est toujours envahi, voilà, de pyrales. Regardez ça, mais alors j'ai appris un truc, c'est que c'est apparemment la fumée les attire. Apparemment la fumée les attire, ce qui explique qu'ils bourdonnent autour de moi. Ah ouais non, là ça va être un peu trop. Mais voilà, enfin ce lieu que vous venez de voir, alors là vous avez vu, il y a un petit peu de monde. Mais malgré tout, c'est là ce soir qu'on va planter les tentes, qu'on va camper. Alors pour ma part, je dormirai, je vais mettre le tarp. Et puis les filles et les copains vont dormir dans les tentes. Alors ce soir, normalement, il n'y aura plus personne. Je ne vais pas vous dire exactement où est le coin, parce que je ne veux pas non plus trop inciter au bivouac ici, parce que c'est un coin qui est très protégé. C'est un coin naturel, Natura 2000 je crois, ou un terme comme ça. Et je vous garantis que ce soir ça va être magnifique, ça va être royal. Il y a en plus, j'ai vu plus loin sur la falaise, il y a un saut, on monte à la corde et puis on peut sauter de la falaise. On va essayer ça, même si j'ai un peu les chocottes parce que j'ai le vertige. Mais voilà, on devrait vivre un moment très sympa. Vous m'accompagnerez, on va faire ça tous ensemble et je vous garantis que c'est pas fini. Dernier explorateur. L'explorateur, bah ouais. Là, c'est vrai qu'il y a un côté Indiana Jones, ou je sais pas. On a l'impression qu'on s'apprête à découvrir une caverne immergée. C'est incroyable. Incroyable, c'est une vallée. Nous approchons du château des Anglais, qui est incorporé dans la falaise.
Sachant voilà. qu'il y a une autre partie du château des Anglais près de Saint-Cyr-la-Popie aussi. Oui, à Gouzias. Voilà. En fait, quand on dit château des Anglais, ça s'appelle tout château des Anglais. C'est juste les défenses qu'il y avait à l'époque de Roi Lion. Ça y est, là, on passe sous les arbres. Oh. Avec des toiles d'araignée un peu partout. Qu'est-ce que ça fait? J'ai fait n'importe quoi. Je me suis laissé dissiper l'esprit par la beauté des lieux et j'ai foncé dans l'arbre. Ah bah voilà. Tiens, regarde là-bas en face. Regarde les flots là. C'est bon. Ah oui. Qu'est-ce que vous entendez l'écho? Ah. Oh. Hey. Le goupil nuancé. Donc là, nous arrivons à niveau d'un très beau château. Malheureusement, on ne connaît pas le nom. Il faudrait qu'on regarde. Si quelqu'un le connaît, qu'il le dise en commentaire. Et sinon, il le rajoutera en post-prod. Et donc là, l'église qui sonne. Voilà le clocher au fond. Et là, on va arriver au point V, là où ça descend vraiment. Je ne sais pas si je pourrais avoir l'occasion de filmer. Voilà, ça saute. C'est génial. Ça s'amuse comme des fous. Bon, on a rendu les canoës. On est maintenant sur le lieu où on va dormir ce soir et on va se faire un petit barbecue. Je vais parler un peu plus fort parce que je suis pas sûr que vous m'entendiez bien avec la rivière. Le lieu va être génial. Alors, c'est toujours l'invasion de papillons. Et ce soir, ça risque d'être encore pire parce qu'ils sont attirés forcément par la lumière. Et il paraît que le soir ici, c'est des nuées. Regardez. Hop. Attends, je vais faire la mise au point. Regarde. C'est fou. Et ce soir, ça risque d'être des nuées de papillons. Voilà, il y en a partout. Et ça risque d'être génial parce que j'ai pris une lampe torche très puissante et on va éclairer ce soir la falaise en face. Regardez. Voilà. Et apparemment, alors, on a rencontré quelqu'un du coin qui nous a dit que le soir, quand tu éclaires comme ça avec une lampe torche puissante, on a l'impression qu'il neige. Et je pense qu'on va pouvoir faire des images magnifiques. Donc maintenant, on va se poser. Là, pour le moment, c'est l'heure de l'apéro. On profite. On a les bras en feu, le dos en feu. Mais on profite. Les papillons, mais j'en peux plus. C'est incroyable. Enfin, voilà. On va continuer comme ça. On se prend l'apéro et on se retrouve un petit peu plus tard. Bien. Alors bon, j'ai les amis, la famille qui s'occupent d'installer leur tente. Moi, ce que je vais faire, comme je disais tout à l'heure, moi, je vais dormir sous un tarp. Alors là, j'ai tendu ma corde faîtière. Elle n'est pas extrêmement tendue, mais c'est pas grave. Tout simplement parce qu'en fait, ici, il n'y a pas du tout de vent. Voilà, il n'y a pas du tout de vent, c'est très encaissé. Je vais tendre ce tarp. J'ai tendu ma faîtière ici. Ici, vous voyez, j'ai un tarp ici qui sera sur le dessus, comme ceci. Et j'ai un tarp en dessous. Celui que j'avais montré dans la vidéo du matos, qui est un tarp isolant. Voilà, ça va isoler un peu. Et l'avantage que ça aura, c'est que vu qu'on est près de la rivière, au moins ça isolera du froid du sol. Donc ce que je vais faire, je vais placer tout ça, et puis après je vous retrouve une fois que c'est fait. Voilà, c'est plus ou moins installé. Alors regardez ça. Bon, c'est très sommaire, mais c'est ce que je souhaitais. Alors certes, j'aurais pu décaler un petit peu le tarp du haut sur le côté, mais bon, on sera très bien, normalement, il n'y a pas de souci. Et on va surtout se réveiller face à ça. Voilà. Alors on peut avoir potentiellement un petit peu le froid du matin à côté de la rivière. Mais bon, on est bien équipé, on a les bons sacs de couchage qu'il faut et tout, il n'y a pas de souci. Et puis surtout, le but c'est surtout de se réveiller face à ça. Donc là, normalement demain matin, on a le soleil qui va sortir là-haut. Et ça va être magnifique. Donc voilà. Maintenant, nous on va se poser un petit peu. Je vais aller chercher un peu de bois. Il va y avoir une petite séquence fondage de bois, je pense, pour le réchaud. Et puis, on va faire ça. Je vous montrerai ça au fur et à mesure. Mais surtout, on va continuer, je pense, avant tout, l'apéro. Parce qu'on l'a bien mérité. Ça me brûle la main pour boire. Alors, je suis en train de lancer le feu pour faire à manger. Alors, vous le voyez, je le fais dans un petit réchaud à bois. Tout simplement parce qu'on en a pour un petit quart d'heure en fait pour faire chauffer les légumes. Mais surtout je fais dans un petit réchaud à bois parce qu'en ce moment c'est une période de sécheresse, ça craint. Alors heureusement j'ai de l'eau à côté au cas où. Soyez quand même très très vigilants, vous le savez, quand vous faites du feu.
Ça, c'est très important, surtout dans des périodes comme en ce moment. Voilà, là, ça a bien pris. Il n'y a pas de feu qui prend comme le truc là. Eh oui, je sais, mais t'inquiète pas, là, ça va prendre et puis après, on va pouvoir faire les légumes. Mais tu vois ça, comme le bâton. Eh oui, je sais bien. Mais voilà, là, on va attendre, tu vois, on va attendre que le bois prenne. Et puis après, ça sera très bien. En tout cas, la flamme est magnifique. Ouais. Ouais, c'est bien. Tu nous fais à manger, ma chérie ? Ouais. On se vient comme ça, je vois la couleur. Eh oui. Elle est où? Salut les gars. Salut. Bon, écoutez, je suis désolé. La dernière fois qu'on s'est vu, c'était quand j'étais en train de faire le feu pour la bouffe. La soirée m'a totalement échappé, clairement. Une bouteille de rouge, puis deux, puis trois, plus des bières. Donc on va arrêter la soirée ici. Voilà. Alors vous profitez, vous voyez un peu la falaise derrière. Là, je vais aller me coucher. J'éclaire, alors c'est Aïsokis qui parle, justement de la falaise à la lumière derrière. Malheureusement, le rayon n'est pas très fort. Voilà. Mais c'est parfait en vrai. Parce que ça, là, pour le coup, ça retranscrit. Ouais. Hein. Avec tes yeux rouges, là. Ouais, avec mes yeux rouges, regardez ça. Non, là, je suis un vampire. Ouais. Mais voilà, on va arrêter la soirée là. Parce que je pense que vous comprenez ce qui s'est passé entre temps, en fait. L'apéro a duré peut-être trop longtemps. Voilà, alors écoutez, j'espère que vous avez apprécié ce qui est arrivé jusqu'à présent. C'est pas fini, ça va continuer un petit peu demain. Mais pour le moment, je pense qu'on va tous aller se coucher, parce que je pense qu'on mérite quand même, après toutes ces péripéties. Donc, je vous souhaite à tous une bonne nuit, et je vous retrouve, en fait, pour vous tout de suite, et pour moi, demain, après une bonne nuit de sommeil. Comme ça, on verra bien les falaises. Sur ce, good night, à tout de suite. Il est 8h-20 à peu près, je viens de me réveiller, je suis pile à l'endroit où je vous ai laissé hier soir, quand on était totalement éclaté là, j'ai mal au crâne forcément, mais je sens qu'on a arrêté de boire au moment où il fallait quand même, parce que plus ça aurait été indécent. Là, premier truc à faire, la recherche du petit bois quand même pour allumer le réchaud et pour faire du café. Donc on va se réveiller doucement. Je suis le premier réveillé. Hein. Je suis le premier réveillé. Bon, c'est pas étonnant. Hein. J'ai tendance à me réveiller très tôt. Du café. Et croyez-moi, tout ça, même en ayant mal au crâne, c'est magnifique. Bon bah les gars et les filles, et le chien s'en va à ce moment-là, on vient de replier le campement, donc là on va décoller dans pas longtemps, en plus il y a des gens qui commencent à arriver tout ça, donc c'est moins agréable. Je sais pas ce qu'on va faire, j'ai toujours super mal à la tronche, donc je sais pas ce qu'on va faire, peut-être que je vais couper là, auquel cas je vais faire un petit finish.
peut-être que ça va continuer si on va voir des villages. On va peut-être aller voir des vieux villages, mais je crois que c'est mal barré parce qu'on n'a plus d'eau, je crois, les filles, apparemment. Mm. Donc on peut pas. Voilà, il commence à faire déjà très chaud. Là, il est 11h. Je transpire, j'en peux plus. Enfin bon, c'était royal en tout cas. J'espère que vous avez apprécié ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Parce que franchement, nous, on a passé un week-end génial. Et puis, bah, écoutez, voilà. Soit je fais un finish, soit je vais voir avec tout le monde ce qu'on fait. Et puis je vous dis ça. C'est le retour des pyrales du buis. Regardez, on dirait qu'il neige. C'est incroyable. Le nombre qu'il y a ici, c'est fou. C'est fou. Alors, il s'est passé plusieurs péripéties, en fait, entre le dernier moment où je vous ai papoté et maintenant. Alors, je vais vous expliquer tout ça. Ce qu'on va faire, là, en fait, on a changé de vallée. Précédemment, donc, on était dans la vallée du Célé, dans le Lot. Et là, on est parti dans le Verse. On suit un petit cours d'eau qui s'appelle le Verse, où il y a apparemment des bassins où on peut nager. Donc on va aller se poser là-bas, je vais débriefer, je vais expliquer ce qui s'est passé entre temps. Et puis je vais débriefer, pas tout seul, parce que je vais débriefer avec Madame Goupil, parce qu'on a un projet dont on veut vous parler. Donc je vous dis à tout de suite pour la conclusion. Bon, on va s'arrêter ici. Alors, il y a eu des péripéties depuis ce matin, depuis le dernier moment où je vous ai quitté. On a pensé faire de la tyrolienne, on a pensé faire de l'acrobranche, on a pensé aller visiter Cahors. T'as pensé à beaucoup de choses, mais t'as rien fait en fait. Ouais, c'est pas faux. Et alors, finalement, on est simplement rentré manger un morceau parce qu'on avait trop faim et trop soif surtout. Et du coup, bon, là, il fait tellement chaud, on s'est dit on va aller se rafraîchir. Alors là, on est du côté du Verse. Tu me corrigeras si je me trompe. C'est la vallée du Verse, c'est quoi? C'est bien la vallée du Verse, au-dessus du Verse. Et c'est voilà. Le Verse qui est là. Voilà. Et alors, c'est beaucoup plus froid que la vallée du Célé. Oui, mais... gelé. Hein. Ouais, c'est gelé. Mais bon, c'est très sauvage. C'est ce que je voulais. On va s'arrêter là, mais avant, on a un petit projet commun dont on voulait vous parler. Alors, vas-y, si tu peux intituler le truc. Bah, ce serait filmer nos balades tous les deux et vous montrer les coins où on va et expliquer des fois un peu ce qui se passe dans les coins à visiter. Quoi. Ouais, voilà, près de chez nous. Alors c'est vrai qu'en plus, moi j'avais eu l'idée plusieurs fois de vous faire des balades filmées, mais je ne l'ai jamais vraiment fait. Et c'est vrai que bon, bah, Madame Goupil, c'est vraiment son truc. Et je pense qu'on va faire ça. On va faire voilà, des balades des petits villages ou alors des coins notables. Des grottes, des falaises, des forêts et tout du coin. Donc on vous en parlera en détail, voilà. Mais on va créer quand même une chaîne commune. Alors c'est pas pour tout de suite. On essaie de, j'allais dire, on essaie de goupiller ça, mais on essaie de goupiller ça. Je vous en saurai plus tard. En tout cas, j'espère que vous avez adoré cette vidéo parce que nous, ça a été le paradis. Merci encore à la chaîne Ice Focus. Merci à toi. Parce ça, c'est que... parce qu'il sait que je vais être obligé de faire le teaser, enfin le générique ouais, de la nouvelle chaîne, obligatoirement. Et j'espère qu'il le fera parce que ça sera parfait. Enfin voilà, j'espère que vous avez aimé. Pour nous, ça a été le paradis. Prenez soin de vous. Bon, voilà. Ouais. Ah, oui, pardon. Et moi, je voulais vous dire, je voulais vous demander de nous dire en commentaire ce que vous pensez de notre futur projet. Ouais, voilà. C'est vrai. Et ben, salut tout le monde. Prenez soin de vous, à la prochaine. Salut. Et comme d'habitude, on s'abonne, on met le pouce en l'air et la petite cloche. C'est ça.